أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici on attaque le tafsir de Ayat al-Kursi. Rapidement avant de rentrer dans le tafsir, je vous ai fait un petit truc sur les bienfaits de Ayat al-Kursi. Donc ici bien sûr il y en a sûrement d'autres que je connais pas, mais on va pas vraiment rentrer dans les détails, sinon on va perdre trop de temps sur l'audio. Donc ici, premier bienfait de Ayat al-Kursi, c'est la plus grande Ayat du Coran. Dans le sens, c'est celle qui a le plus de mérite, le plus de bienfaits. En gros, c'est la boss des Ayat. Les compagnons du prophète alayhi salat wa salam, ils discutaient entre eux sur la ayah qui contient le plus de bienfaits. C'est quoi la ayah la plus grande au niveau de l'honneur qu'il y a dans le Coran? Et Ali, radiallahu anhu, il leur a dit, et qu'est-ce que vous pensez de l'ayat al-Kursi? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa salam, il m'a dit, ô Ali, le maître des êtres humains, c'est Adam, alayhi salam. Le maître des Arabes, c'est Mohammed, sans vouloir me vanter. Et la maîtresse des paroles, c'est le Coran. Quant à la maîtresse du Coran, c'est Al-Baqarah. Et pour finir, la maîtresse d'Al-Baqarah, c'est Ayat al-Kursi. Deuxièmement, elle éloigne les shayatin, donc les diables, et si tu la récites avant de dormir, Allah Azza wa Jal, il place à côté de toi un ange gardien, et aucun diable ne pourra t'approcher pendant ton sommeil jusqu'à ton réveil. Et ça, bien sûr, on le sort de l'histoire de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est dans Sahih al-Bukhari, rahmahullah, sur l'histoire où le prophète, alayhi salat salam, il avait dit à Abu Huraira de garder les provisions, et qu'après, il y a un homme qui venait le voir à chaque fois, chaque nuit, qui volait pour des provisions, Abu Huraira, il l'attrapait à chaque fois, puis après, il le relâchait, etc. Finalement, cet homme-là, c'était un shaytan, c'était un diable, et cet homme-là, il a donné comme conseil à Abu Huraira de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Et s'il faisait ça, il allait être protégé jusqu'au réveil. Et donc le prophète alayhi salat wa salam, il a dit à Abu Huraira, il t'a dit la vérité, quand bien même c'est un menteur. Ici, à titre informatif, si jamais vous avez le temps d'aller sur YouTube, essayez de trouver une vidéo qui s'appelle l'histoire d'un sorcier repenti. Donc en fait, c'est l'histoire d'un sorcier, d'accord, au Yémen. Et ce sorcier-là, il s'est repenti. Grâce à Allah Azza wa Jal, il lui a permis de se repentir et d'être guidé. Et donc, ce sorcier-là, il raconte plein d'histoires qu'il faisait quand il était sorcier. Et donc, bien sûr, il était en contact avec les djinns, etc., les shayatins, les diables. Et ici, il raconte un jour que ce sorcier-là, il était devant, sur une place publique, devant des gens, etc., et qu'il est en train de leur faire un genre de show avec des couteaux. Et en fait, le sorcier, il se plantait des couteaux dans le ventre, et les gens, ils voyaient les couteaux rentrer dans le ventre du sorcier, sortir de l'autre côté, mais il se passait rien. Le sorcier, il avait pas mal. Donc ça, bien sûr, tout ça, c'était le fait que les shayatins ici, le sorcier, il explique que les shayatins, ils faisaient un genre de bouclier sur le sorcier, et qu'en fait, le couteau, il rentrait à l'intérieur, mais que ça lui faisait pas mal, etc. Toute une explication que vous aurez l'occasion de voir si vous regardez la vidéo. Et le truc intéressant, c'est quoi? C'est qu'il y a un homme, un jeune homme, qui est arrivé dans cette assemblée-là, sur cette place publique. Il a vu le sorcier en train de faire son tour avec ses couteaux, et là, il a commencé directement à réciter Ayat al-Kursi. Et là, le sorcier, il raconte que instantanément, les shayatins, les diables qui étaient autour de lui en train de le protéger pour faire ce tour-là, pour pas qu'il se fasse mal avec le couteau, ils se sont enfuis sur le champ, et le sorcier se retrouve avec le couteau enfoncé dans le ventre, et il a dû partir à l'hôpital, et il a mis des mois et des mois pour guérir de sa blessure. Ok? Ensuite, troisième bienfait, c'est que Ayat al-Kursi, elle contient le nom d'Allah le plus grand. Le plus beau nom d'Allah, le plus grand nom d'Allah, le meilleur nom d'Allah, et ben c'est, il est contenu dans Ayat al-Kursi. Et si jamais tu invoques Allah avec ce nom-là, Allah Azza wa Jalla, il te répond direct. Et ce nom-là, il se trouve dans trois sourates. Ça, c'est d'après un hadith du prophète, alayhi salat salam. Il se trouve dans surat al-Baqarah, dans surat al-Imran et dans surat Taha. D'accord? Il y a d'autres hadiths qui parlent de ça. Et en recoupant les hadiths ici, j'ai remarqué que, subhanallah, on trouve al-Hayyul Qayyum dans al-Baqarah. Et on trouve Al-Hayyul Qayyum dans Al-Imran également. Parce qu'il y a le même verset dans les deux. Dans Surat Al-Baqarah et dans Surat Al-Imran, on a Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Donc on a Al-Hayyul Qayyum. Et en ce qui concerne Surat Taha, c'est
وعنت الوجوه للحي القيوم. Donc regardez, subhanallah, dans le Baqara, on a Al-Hayy Al-Qayyum. Dans l'Imran, on a Al-Hayy Al-Qayyum. Dans Surat Taha, on a Al-Hayy Al-Qayyum. Et un petit plus intéressant, c'est que le jour de la bataille de Badr, les compagnons ils étaient en train de combattre, et Ali, radiallahu anhu, lui aussi, il combattait. Ensuite, il s'est retiré de la bataille pour venir voir ce que le prophète, alayhi salatu salam, il faisait. Et là, Ali, il a trouvé que le prophète, alayhi salatu salam, il était en prosternation, et que le prophète, alayhi salatu salam, il répétait deux mots. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Deux noms d'Allah. Ensuite, Ali, radiallahu anhu, il est retourné à la bataille, il a continué à combattre et tout. Puis, quelques temps plus tard, il est revenu voir le prophète, alayhi salatu salam. Et il l'a toujours trouvé prosterné, en train de répéter, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Et là, Ali, il était un peu choqué, il s'est dit, non, c'est mort, là, faut que je reste, là, faut que je voie qu'est-ce qui se passe. Il est resté, il a regardé le prophète, alayhi salatu salam, qui répétait ça encore et encore, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal il leur a accordé la victoire de la bataille de Badr. Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam, bien sûr. Quatrième bienfait, après chaque prière obligatoire, si tu récites Ayatul Kursi, le prophète alayhi salatu salam nous a enseigné deux choses. Premièrement, ça répare ta prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète alayhi salatu salam nous a dit qu'une personne elle va prier, mais Allah Azza wa Jal il va accepter que par exemple un tiers de sa prière, ou deux tiers de sa prière, ou la moitié de sa prière, etc. etc. Mais Allah Azza wa Jal il va pas accepter toute la prière de la personne. Parce que ça se trouve, pendant que tu priais, tu étais en train de penser à autre chose, après des fois tu as regardé là-bas, après des fois tu t'es gratté l'oreille. Donc ici, le fait de réciter Ayatul Kursi après ta prière obligatoire, ça la répare. Et ça permet que Allah Azza wa Jal il accepte ta prière dans sa totalité. Ça c'est grave important, subhanallah. Deuxième point, c'est le fait que le prophète il nous a enseigné que celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, il n'y a absolument rien qui l'empêche cette personne d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu meurs et que tu as récité Ayatul Kursi après une prière obligatoire, tu rentres direct au paradis. Cinquième bienfait ici, c'est quand tu sors. Quand tu sors de chez toi et que tu récites Ayatul Kursi, ça te protège. Et ici, tu es protégé par 70 000 anges. C'est pas négligeable, hein, entre nous. Wallahu ta'ala alam, il y a sûrement beaucoup d'autres bienfaits ici, mais nous, on essaie de faire précis et concis. Maintenant, on rentre directement dans le tafsir. Allahu la ilaha illahu. Allah Azza wa Jal, absolument aucune divinité digne d'être adorée à part lui. Aucune! En criant. Vous avez vu là comment j'ai dit? Aucune! Point barre! Pourquoi? Parce que ici, regardez, Allahu la ilaha. Vous avez vu la fatha à la fin? Ilaha. Ça, c'est une négation totale et absolue en criant. Comme si, subhanallah, t'as vu quand ton enfant, il vient te demander une glace. Et toi, tu lui dis, non, pas maintenant, de manière stricte. Donc, ton enfant, il sait très bien qu'il n'y a pas moyen cette fois-ci d'avoir une glace. Donc, il va lâcher l'affaire. Et ben, ça, on le retrouve dans la ikraha fiddin. Absolument aucune contrainte en religion. Aucune. D'accord? Personne n'est contraint de se convertir à l'islam. Personne. Donc ici, ça c'est la négation totale et absolue. On retrouve ça aussi dans quoi? Dhalika al-kitabu la rayba fatha la rayba fih. Voilà le livre au sujet duquel il n'y a absolument aucun doute, aucun. D'accord? Maintenant, si par exemple tu veux dire non, donc la négation, mais que la porte elle est un tout petit peu ouverte, donc tu ouvres un tout petit peu la porte au oui. Et ben comme avec ton enfant, t'as vu, il vient de voir pour avoir une glace, toi tu lui dis pas non, pas de glace aujourd'hui. Toi tu lui dis quoi? Tu lui dis non, pas maintenant. Attends un peu, c'est l'heure de manger. Là ton enfant il va continuer à te demander parce qu'il voit que t'es pas totalement enfermé. Et ben ça en arabe, au lieu de mettre une fatha, tu vas mettre une dhamma. Exemple, la raybun. Ça veut dire quoi? La raybun, pas de doute dans la majorité. Mais un mini doute par-ci par-là. Alors que si je dis la rayba avec fatha, absolument aucun doute, ok? Point barre. Donc le jour du jugement, subhanallah, pour les croyants, Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? La khawfun alayhim. Aucune crainte pour eux, dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un petit peu de peur. Je veux dire, c'est quand même le jour du jugement, c'est pas Walt Disney, d'accord? Donc toujours en parlant du jour du jugement, Allah il dit quoi? La bay'un fihi. Aucune vente ce jour-là, aucun commerce, pas d'échange ni de troc, c'est mort pour la majorité des cas, parce qu'il y aura quand même une vente. Pour qui? Pour les croyants qui auront vendu leur propre personne et âme dans la dunya pour gagner le paradis. Subhanallah. Le jour du jugement toujours, Allah Azza wa Jalla nous dit, la khullatun. Aucune amitié ce jour-là. Enfin, pour la majorité des gens. Parce que certains seront les amis d'Allah, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah. Encore le jour du jugement, la shafa'atun. Aucune intercession ce jour-là. Enfin, presque aucune. Qui va intercéder? Les prophètes, les martyrs, les véridiques, les pieux. Tout ça, subhanallah, vous avez vu comment on le perd dans la traduction. Donc ici, on a la ilaha, pas la ilahun. La ilaha. Illa huwa. Absolument aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Aucune, point barre.
Ici, on s'arrête rapidement sur le mot ilah, extrêmement important. Ilah, on va dire une divinité, un dieu, qui vient de aliha. Aliha, ça veut dire adorer, ça c'est clair. Mais aliha, ça veut aussi dire aimer quelqu'un. Donc Allah Azza wa Jal, il mérite d'être adoré, mais il mérite également d'être aimé profondément. Aliha, ça veut aussi dire quoi? S'adosser contre un mur. T'as vu, quand t'es fatigué, tu t'adosses contre un mur? Eh ben, Allah Azza wa Jal, il est celui sur qui tu dois te reposer quand t'es fatigué dans la vie. Subhanallah. Ce que tu dois retenir, qui est très important, c'est que le mot ilah, il contient plusieurs sens qui sont séparés, mais ensemble, ils définissent Allah. Premièrement, ça comprend l'adoration. Deuxièmement, l'obéissance. Troisièmement, l'amour. Donc si tu traduis « ilah » uniquement par « Dieu », dans le sens « une entité qui est adorée », ben tu rates la traduction, parce que ça comprend aussi l'obéissance et l'amour. L'obéissance, par exemple, quand Pharaon, il a dit dans le Coran que c'était lui le « ilah ». Pharaon, il a dit « c'est moi Dieu » dans le Coran, d'accord ?« C'est moi la divinité ». C'était dans le sens de quoi ? Dans le sens d'obéissance. Pourquoi ? Parce que les gens, s'ils adorent Pharaon, si par exemple les gens ils vont se prosterner aux pieds de Pharaon, ils vont lui amener des offrandes, ils vont décorer son cou avec des fleurs, etc. Ça va lui servir à quoi, Pharaon? Ça va lui servir à rien. Ce qui lui sert à Pharaon, c'est quoi? L'obéissance des gens. C'est ça que Pharaon y voulait. Maintenant, ce qui concerne l'amour, on a dit que c'était aussi l'amour qui était contenu dans Ilah. Ben, pour l'amour, par exemple, Allah Azza wa Jal, il nous a dit dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions, ses désirs, ses envies pour divinité? Manittakhadha ilahahu hawahu. Tes passions et tes désirs et tes envies, est-ce que tu les adores? Bien sûr que non, mais tu les aimes à fond, tu les kiffes à fond, et en plus de ça, tu leur obéis. Subhanallah. Donc on voit que ilah, c'est un dieu dans le sens, on l'adore, on lui obéit et on l'aime. Regarde, subhanallah, comment c'est grave important dans la vie d'un musulman, et quelle leçon ça nous apprend dans le tawhid. Combien de personnes on voit autour de nous, ils adorent Allah, mais ils l'aiment pas? Combien de personnes ils nous disent, surtout les sœurs, hein, elles disent, wallah, j'aime trop Allah, mais elles l'adorent pas, elles lui obéissent pas. Combien de personnes, elles adorent Allah, tu vois, il prie, il fait le ramadan, tarawih, tout ça, et atikef, mais il fait du riba, il fait des crédits avec des intérêts. Mais combien de personnes, tu vois, ils adorent Allah, mais ils ne lui obéissent pas? Subhanallah. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayy, le vivant. Et ici, remarque le L, alif lam au début, il joue un rôle crucial. Pourquoi? Dans le sens, al-hayyu, c'est le vivant. Le, L-E majuscule, c'est l'absolu, dans le sens... Personne n'est vivant en dehors de lui. Le vivant par excellence. La vie n'existe pas en dehors de lui. Donc toutes les choses ou êtres humains qui existent, c'est grâce à Allah. Absolument toute vie qui existe dans cet univers-là et à l'extérieur de cet univers-là, c'est parce que Allah Azza wa Jal lui-même existe. Subhanallah. La vie existe parce que Allah est vivant. Al-Qayyum. Ici, Al-Qayyum, c'est la super forme du mot. Pourquoi? Parce que le mot à la base, c'est Qa'im. Un qa'im, c'est un garde, un surveillant, celui qui maintient quelque chose droit, qui maintient quelque chose en vie. Qayyum, c'est la superforme. Ça veut dire quoi? La superforme, tu vas rajouter l'abondance et tu rajoutes la continuité, l'éternité. Donc c'est celui qui est abondamment et constamment à l'éternité engagé dans la garde, dans la surveillance et dans le fait de maintenir les choses en vie. En ce qui concerne tout ce qui existe dans l'univers et en dehors. Par exemple, tu as vu un jardinier? Il prend soin d'une plante fragile. Il lui met un petit bâton dans la terre, comme ça la plante, elle va être soutenue par le bâton. Et quand elle va grandir autour du bâton. Il va arroser la plante, il va faire attention à pas trop l'exposer au soleil, il va faire attention aux bestioles, etc. Ce jardinier-là, c'est quoi? C'est un qa'im. D'accord? Parce qu'il prend soin de la plante. Il maintient la plante en vie. Regarde comment c'est fort. Allah Azza wa Jal, il est le vivant. Celui qui maintient les choses vivantes. Allah, c'est non seulement la source de la vie, mais aussi celui qui s'assure de son maintien. Subhanallah. Al-Hayyu al-Qayyum. Maintenant, ce qui est fort, c'est que cette ayah-là, elle va avoir plusieurs phrases qui vont toutes être des khabar. Chacune des phrases, elle va avoir pour mubtada le mot Allah du début. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner Allah, la ilaha illahu. Allah, al-Hayyu al-Qayyum. Allah, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, etc., etc., jusqu'à la fin. Subhanallah. Autre chose ici qui est super fort dans cette ayah, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées par père. Allah, il commence avec deux noms à lui. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ensuite, ici, Allah, il va nous citer As-Sina et Al-Nawm. Ensuite, Allah, il va nous dire As-Samawat et Al-Ard. Allah, il va nous dire Ma bayna aydihim. Et Allah, il finit avec deux noms, Al-Ali, Al-Azim, Subhanallah. On a dit que Allah, c'est Al-Qayyum, vous êtes d'accord? Celui qui maintient les choses en vie, ok. Celui qui garde et celui qui surveille toute la création, d'accord. Quand quelqu'un il surveille quelque chose, il risque quoi? Le sommeil, on est d'accord ou pas? La somnolence. Donc après t'avoir dit que Allah, il surveille tout, Allah, il te dit que Sinatun, ça peut pas m'arriver.
Sinatoun, c'est quoi? La somnolence. Ce qui vient juste avant le sommeil. C'est léger. Et Allah, il te dit aussi que Naoum, le sommeil lui-même, le sommeil profond, ça ne m'atteint pas non plus. Ni la somnolence, ni le sommeil, ça me touche. Allah Azzawajal, ça ne touche pas. Au fait, le sommeil, c'est le frère de la mort ou pas? Ouais, c'est considéré comme une petite mort ou pas? Oui. Après t'avoir dit que Allah, il était le vivant, donc ça veut dire que la mort ne le touche pas. Allah, il te précise, et au fait, même ce qui s'approche de la mort, du genre le sommeil, ça ne me touche pas non plus. Subhanallah. Maintenant, regarde dans le langage. Allah, il a dit « La ta'khudhuhu sinatun wa la naum ». Alors qu'en arabe ici, tu aurais pu dire « La ta'khudhuhu sinatun wa naum ». T'es pas obligé de répéter le « la », c'est pareil. Sauf que c'est pas vraiment pareil. Parce que si tu utilises qu'une seule négation, tu utilises qu'une seule fois la particule « la » pour les deux mots en même temps, eh ben, ça veut dire que la somnolence et le sommeil ne touchent pas Allah. Ensemble, mais que la somnolence toute seule peut toucher Allah, ou bien le sommeil tout seul peut toucher Allah. Donc Allah, il a mis une négation la pour la somnolence, et Allah, il a rajouté la négation la pour le sommeil, histoire de dire rien ne me touche, ni la somnolence toute seule, ni le sommeil tout seul, ni même les deux ensemble, peu importe la combinaison que tu veux faire ou que tu veux t'imaginer, il n'y a rien qui me touche. Subhanallah. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous ici s'est posé la question, parce que moi je me suis posé la question. Une personne, elle peut se dire, oh, mais pourquoi Allah ici, il répète deux choses qui se ressemblent, la somnolence et le sommeil. Pourquoi Allah, il n'a pas dit que le sommeil ou que la somnolence? Si Allah, il aurait dit que la somnolence, eh ben, il aurait laissé le sommeil de côté, et dans ces cas-là, ça n'aurait pas empêché que Allah, azzawajal, il puisse dormir profondément. Mais il aurait eu juste la somnolence. Donc, il a mis les deux en même temps. Si Allah, il aurait juste dit le sommeil, ben, le sommeil, c'est le truc le plus grave. Donc, Allah, il aurait dit le sommeil, c'est bon, il s'est attaqué à tout. Ouais, mais ça n'aurait pas empêché qu'il aurait eu de la somnolence. Donc, il a dit les deux, somnolence et sommeil, pour couper l'argumentation, ça c'est un. Et deuxièmement, les savants, ils ont dit, subhanallah, le fait qu'Allah Azzawajal rajoute la somnolence pour montrer ici sa grandeur et sa puissance, dans le sens, le sommeil ne m'atteint pas, et au fait, même la petite somnolence là, eh ben, elle me touche même pas. Moi, il n'y a rien qui me touche, subhanallah. Ensuite, ici, il y a une histoire qu'on retrouve dans les tafassir. On ne connaît pas trop l'authenticité de cette histoire, mais le sens de l'histoire, il est quand même bon et révélateur, et il nous permet de comprendre bien les choses. Donc, le prophète, alayhi salatu salam, il nous aurait raconté, on n'est pas sûr, il nous aurait raconté une histoire avec Moussa, alayhi salam. Ici, Moussa, alayhi salam, il s'est posé la question, est-ce qu'Allah, azza wa jal, il dort? Est-ce qu'Allah, azza wa jal, il dort? Et ici, Allah, azza wa jal, il a envoyé un ange avec deux bouteilles en verre. Et cet ange-là, il a remis les deux bouteilles en verre à Moussa alayhi salam. Il lui a dit, écoute, tu vas te tenir debout ici, tu bouges pas, tu tiens les deux bouteilles en verre dans tes deux mains et t'attends comme ça, jusqu'à ce qu'on te dise. Donc Moussa alayhi salam, il est resté comme ça debout avec les deux bouteilles, une dans chaque main, et il commençait à avoir une somnolence comme ça, il commençait à s'endormir, Moussa alayhi salam, et d'un coup, quand il commence à s'endormir, ses mains se sont relâchées. Donc les bouteilles sont tombées, elles se sont cassées. Et Allah azzawajal, il a dit à Moussa alayhi salam, si jamais la somnolence ou le sommeil m'aurait touché, les cieux et la terre, ils auraient été dans l'état des deux bouteilles que tu viens de lâcher. Subhanallah. Maintenant que tu me dis ça, moi je te dis, mais pourquoi Allah azzawajal, il devrait tout surveiller après tout? Bah, tout simplement parce que lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tout ce qui est dans les cieux et dans la terre appartient uniquement et seulement à Allah. C'est parce que c'est sa création, c'est parce que ça lui appartient uniquement à lui, Jalla wa Ala, qu'il la surveille comme ça. Le mot ma ici, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Le mot ma qu'on traduit par tout ce qui, d'accord? Ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et bien ici, ça contient deux choses. Ça contient ma, qui veut dire à la base en arabe ce qui pour les choses. Et ça contient également « men », qui veut dire « ce qui » pour les doués de raison, c'est-à-dire les anges, les êtres humains et les djinns. Donc absolument toute chose et toute personne qui se trouve dans les cieux et la terre appartient exclusivement à Allah. Maintenant, quand tu vois que tout ça, ça appartient à Allah, qui c'est qui reste pour intercéder en sa faveur sans la permission d'Allah ? « Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih » Imagine une société avec deux boss. Chacun, il possède 50% de la société. Si un boss, il décide de virer une secrétaire, par exemple, et que l'autre, il lui dit, non, vas-y, franchement, laisse-lui une chance. Le premier boss, il va dire quoi au deuxième? Il va lui dire, bon, d'accord, parce que t'es le deuxième boss et que t'es mon égal, alors je vais écouter ton conseil. La secrétaire, elle a bénéficié d'une intercession du boss numéro 2. Pourquoi? Parce que le boss numéro 2, il était l'égal du boss numéro 1. Mais ici, il y a combien de boss? Un seul. Il y a que Allah. Alors c'est qui va venir intervenir pour toi? Qui c'est qui va venir intercéder pour toi? Si c'est pas Allah Azzajal qui permet à quelqu'un d'autre de le faire. Personne, subhanallah. Maintenant, il y a le manza. Ça c'est trop fort. Manza l'avi. Qui c'est qui va? Manza ici, ceux qui font un petit peu d'arabe, ils savent que normalement c'est men al-lavi. Man il-lavi, normalement. Men al-lavi.
Qui est celui qui va intercéder sans la permission d'Allah? Sauf que ici on a man dha. En arabe, ça veut dire qui ose. D'accord? Donc ici, on a qui ose intercéder pour quelqu'un sans la permission d'Allah. Pour que tu comprennes, imagine par exemple un combattant de JJB. D'accord? Ça, c'est que pour les connaisseurs, hein, je ne vous traduis pas. Il bat tout le monde lors d'une compétition. Et après, il se retourne vers le public et il dit « Alors, qui d'autre maintenant? Qui veut se battre? Qui va oser ?» Et bien, en arabe, il va dire « Man dha alladhi ». Man dha alladhi. Parce que le combattant, il est en train de défier le public. Il est en train de lancer un défi. Et bien, ici, Allah Azza wa Jal, il lance un défi à toute l'humanité. Qui va venir intercéder, hein? Qui ça? Sans ma permission? Qui ça? Qui va venir intercéder? Subhanallah. Maintenant, regarde la richesse de la langue arabe et par force du Coran. Certains savants, ils sont d'avis que le dha, ici qu'on trouve, eh ben en fait, c'est l'abréviation, pas vraiment l'abréviation, mais c'est le mot hadha. T'as vu le mot hadha qui veut dire celui-là? Eh ben à la base, le mot, c'est dha. C'est dha. Et tu vois la particule ha qu'on a rajoutée devant, c'est une particule pour attirer l'attention, tout simplement. C'est pour attirer l'attention. Donc, si jamais on prend cet avis, dans ces cas-là, Allah Azza wa Jal, il dit plutôt, c'est qui celui-là, là? Celui-là, là, c'est qui? C'est celui-là qui va intercéder? Celui-là qui va intercéder sans ma permission? En visant les fausses divinités, les idoles, etc. C'est eux qui vont intercéder sans ma permission? C'est eux, là, en les rabaissant. Subhanallah. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, il va pas intercéder le jour du jugement sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ça, c'est excellent comment Allah Azza wa Jal, il a rajouté ça ici. Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. T'as vu quand une personne veut intercéder pour toi, par exemple, auprès de ton boss? C'est très souvent basé sur une chose que cette personne-là, elle connaît, mais que ton boss, lui, il ne connaît pas. Par exemple, la personne qui veut te protéger, qui veut intercéder pour toi, elle va dire, écoutez monsieur, je sais qu'il est venu en retard plusieurs fois ce mois-ci, mais je le connais, c'est une bonne personne, et il travaille dur tous les soirs. Moi, je mange avec lui tous les soirs, et chez lui, c'est blindé, que des documents partout, il travaille dur. En gros, je sais quelque chose que vous ne savez pas, alors s'il vous plaît, laissez-lui une chance. Mais qui va dire ça à Allah? Qui connaît une chose que Allah ne connaît pas? Personne! Parce qu'Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a devant les gens et ce qu'il y a derrière eux. Allah connaît le passé, le présent et le futur des gens. Subhanallah. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas apprendre quelque chose à Allah? Tu crois que tu vas apprendre quelque chose à Allah qu'il connaît pas déjà? Mais jamais de la vie. Et comme si ça suffisait pas, non seulement ici Allah Azza wa Jalla, il nous dit qu'il connaît tout ce que toi tu sais, mais en plus de ça, Allah il dit que même les choses que toi tu sais pas, lui il les connaît. Subhanallah. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et ces gens-là, ils n'ont absolument aucun moyen de comprendre le moindre savoir venant d'Allah. Excepté ce qu'Allah, il a bien voulu que ces gens-là, ils comprennent. Subhanallah. Non seulement je sais tout ce que tu sais, mais en plus de ça, ce que tu sais pas, eh ben, je le sais aussi. Subhanallah. Alors franchement, comment tu veux intercéder? T'es sérieux là? Allez, va jouer, va. Subhanallah. Ici, on a une très grande leçon de foi, très grande leçon de tawhid, qui est le fait que on ne sait absolument rien, sauf ce que Allah, il a bien voulu qu'on sache. Subhanallah. Donc, pour commencer déjà, pour commencer, sache que tu sais rien. Regarde par exemple, ar-ruh, l'âme, qu'on traduit nous par l'âme. C'est quoi? L'être humain, il a passé sa vie dans la philosophie, dans la psychologie, dans la médecine. Et au final, il a trouvé ce que c'était un roi? Il a trouvé quelque chose de concret? Absolument rien. Allah, il nous dit, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Vous n'avez reçu que très peu de savoir. Une goutte dans un océan. Subhanallah. Et après ça, les gens, ils remettent en cause Allah. Ils remettent en cause la sagesse d'Allah. Ils remettent en cause le Coran, la Sunna. Pourquoi Allah, il n'a pas parlé de ça dans le Coran? Pourquoi Allah, il a dit ça dans le Coran? Pourquoi Allah, il a créé un paradis? Et pourquoi il a créé un enfer? Et pourquoi Allah, eh ben, il nous a créé et qu'il nous a donné la vie alors que finalement, notre destination, elle est déjà fixée. Etc., etc. Allah ne nous a donné que très peu de savoir. Et le fait qu'on ne comprennent pas le reste, ça ne veut pas dire qu'Allah ne se charge pas du reste. En plus de ça, cette poussière de savoir que tu as là, cette goutte, c'est parce que Allah il a voulu. Donc même ça, à la base, tu l'avais pas. Tu n'avais rien. Illa bima sha. Subhanallah. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Son kursi, il s'étend et il dépasse les cieux et la terre. Certains salafs, ils sont d'avis que son kursi, c'est un repose-pied. D'autres, ils sont d'avis que c'est le trône lui-même, c'est le arsh. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand tu entends ça, toi tu dis directement, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça un repose-pied? C'est pour des pieds, non? Et un trône, c'est pour s'asseoir, non? C'est quoi? C'est une chaise pour des jambes? C'est quoi? C'est pour un corps? Mais je comprends pas là, ça veut dire quoi par rapport à Allah? Tu sais où se trouve la réponse à cette question? Subhanallah, elle est juste avant. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. On n'a absolument aucun moyen de comprendre le savoir venant d'Allah, excepté ce qu'Allah il veut bien qu'on comprenne, excepté ce qu'Allah il veut bien nous donner. Allah il t'a dit qu'il y avait un trône, il t'a dit qu'il y avait un repose-pied, point barre. Il a un trône, tu y crois, c'est tout. Regarde subhanallah comment Allah il t'a enseigné l'attitude à avoir avant de te dire ça.
Subhanallah. Et les gens qui rentrent dans les détails, qui se perdent dedans, etc., ils ont fait quoi? Ils ont manqué le but de la ayah, tout simplement. Parce que le but de cette ayah, c'est qu'il y a des choses que tu ne connais pas, point barre. Tu ne pourras jamais connaître ces choses-là, alors lâche l'affaire. Subhanallah. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Et leur protection, leur garde, leur surveillance, en parlant des cieux et de la terre, la ya'uduhu, ça ne le fatigue pas, ça ne fatigue absolument pas Allah. Wa huwa al-aliyyul 'azim, et c'est lui le très haut, le très grand. Al-ali, le très haut. Ça c'est sûr. Imagine déjà, subhanallah, son trône, il est au-dessus des cieux, des sept cieux et de la terre, et que lui-même, Allah Azzajal, il est au-dessus de son trône. Alors c'est sûr, il est vraiment très haut, Jalla wa ala. Al-Azim, le très grand. Pareil, sa grandeur immense. Déjà, t'imagines la grandeur de la création, imagine la grandeur d'Allah qui est au-dessus de son trône, qui est au-dessus de la création, subhanallah. La ayah, elle commence avec deux noms. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Et elle finit aussi avec deux noms. Al-Ali, Al-Azim. Regarde ça comment c'est fort maintenant. Chaque partie de cette ayah qu'on vient de voir, chaque partie, si tu relis les parties, tu remarques qu'il y a une connexion avec les quatre noms. Par exemple, Allahu la ilaha illahu. Il n'y a absolument aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Absolument aucune, point barre. Pourquoi? Parce qu'il est Al-Hayyu Al-Qayyum et il est Al-Ali Al-Azim, subhanallah. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Pourquoi? Parce qu'il est Al-Hayyu Al-Qayyum et il est Al-Ali Al-Azim, subhanallah. Tout ce qui est dans les cieux et la terre lui appartient. Pourquoi ça appartient que à Allah? Parce qu'il est Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Ali Al-Azim, subhanallah. C'est lui qui est vivant et qui ne meurt jamais pour s'occuper de sa création. En plus, il maintient sa création en vie, subhanallah, Al-Qayyum, et il la surveille constamment. D'où ça? De tout en haut, subhanallah, Al-Ali. Et t'inquiète pas, hein, il est immensément grand, il est infiniment plus grand que sa création, donc il peut la gérer tranquille. Al-Azim, subhanallah. Et les ayats, subhanallah, qui vont venir après Ayatul Kursi, elles sont parfaitement connectées et reliées à Ayatul Kursi. Chose qu'on verra, incha'Allah, lorsqu'on va commencer le tafsir d'Al-Baqarah sur le site, incha'Allah. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته